Alors c'est parti, on va utiliser Intuiti pour faire, on va faire un tirage à trois choix. Et je vais utiliser Intuiti. Vous allez, tu vas choisir la carte qui te plaît le mieux et par rapport à ça, tu auras une guidance par rapport au fait d'incarner ta divinité, d'incarner ta part de lumière. Où est-ce que tu en es dans ton plein potentiel divin, dans ton plein potentiel créateur? C'est parti, je te laisse le temps de choisir ta carte. Tu pourras mettre pause. Et c'est parti, donc carte 1. Alors... on va prendre donc l'oracle des fées. Alors, la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Alors effectivement, tu vois sur ces deux cartes déjà, sur la première qui a été choisie et celle du Graal, ce que j'observe c'est que c'est vraiment des cartes déjà sombres, donc on est dans le thème, c'est vraiment des cartes... un petit peu, on a l'impression que c'est la nuit, que l'atmosphère est un petit peu lourde ou un petit peu mystérieuse, mais en même temps il y a cette petite pointe d'espoir, il y a cette petite pointe de magie qui est dans les deux cartes. Voilà, il y a un chemin très lumineux dans un paysage qui est quand même très sombre, les couleurs sont très sombres. Et là, du coup, on voit une magnifique fée quand même, même si l'eau, elle semble un peu trouble. Il fait nuit, il y a beaucoup de nuages. Cette fée, elle est quand même magnifique, elle est toute blanche et elle porte un Graal. Donc le Graal, quand même, c'est la vie, c'est la santé, c'est le potentiel divin. Donc on pourrait penser avec ces cartes que les fées te donnent le message que même si tout semble... lugubre en apparence, même si tout semble un peu tristoun, rappelle-toi que tu as toujours ton plein potentiel divin entre tes mains. C'est un peu ce que voudrait dire les fées ici, c'est que peu importe s'il y a des nuages, peu importe si l'eau est trouble ou s'il fait nuit, tu as ton plein potentiel divin entre les mains et jamais personne ne peut te le prendre. S'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais te piquer ou te prendre, c'est ce Graal que tu as vraiment entre les mains, il t'appartient, il est de ton plein pouvoir et de ta pleine puissance déjà à la naissance. C'est quelque chose qui t'a été donné à partir du moment où tu es venu ici et on ne peut pas te le prendre tout simplement parce que c'est toi en fait. Donc voilà un petit peu le message que veut te donner les fées, c'est ne perds pas espoir, tu n'as pas tout perdu puisque tu as encore le plus important, tu as ton potentiel divin. Le potentiel divin, c'est quoi? C'est se rappeler que on est co-créateur. C'est nous qui avons le plein pouvoir et le plein contrôle sur notre monde, sur ce qui nous entoure et ce sur vers quoi on se dirige ici. Tu vois, tu as choisi la carte avec le chemin. Là où on se dirige, c'est là où on a décidé d'avancer, c'est là où on a décidé de marcher. Et le mieux, du coup, c'est de le faire en pleine conscience. C'est un petit peu ici le message qu'on te donne. Ton plein potentiel divin, tu l'as. Il n'est pas question de l'avoir ou de le mériter ici, on l'a tous. C'est un cadeau qui nous a été octroyé à la naissance. L'important, c'est pas de savoir si on l'a, ça on l'a. L'important, c'est de savoir est-ce que je l'utilise à bon escient. Est-ce que j'ai le plein contrôle sur l'idée que je l'ai? Est-ce que j'ai conscience que je l'ai? Et est-ce que je l'utilise avec contrôle, décence et conscience. C'est là qu'on veut te mettre le doigt.
À partir du moment où on a mis le doigt dessus, à partir du moment où on a compris que le chemin qu'on emprunte, c'est celui qu'on a choisi en conscience et qu'à partir de ce moment-là, on peut changer à tout moment de chemin, on peut décider d'aller dans un endroit beaucoup plus joli, beaucoup plus sûr, qui nous correspond mieux avec nos valeurs. Et à ce moment-là, oui, on a ce pouvoir de transformer notre monde, transformer notre entourage, mais aussi du coup transformer le monde. Parce que si tout le monde transformait son monde, il aurait une façon de penser et d'agir qui serait différente et par conséquent, il changerait le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce pouvoir, on l'a tous dès la naissance. On va essayer un petit peu. Du coup, ce qui serait bon peut-être pour toi, ça serait de comprendre comment tu peux reprendre contrôle de ce potentiel divin que tu as en toi, comment tu pourras en prendre plus conscience et comment tu peux l'utiliser pour ton plus grand bien, finalement. Alors pour ça, on va utiliser mon oracle. Tiens, bah déjà, tac, c'est là, là, on va dire sauter. C'est bavard. On va pas tout prendre parce qu'on n'est pas couché. Alors, c'est parti. Oh là là, oui, d'accord. Oh là là, dis donc, et ça veut parler, hein. Ok. On va prendre ça. Alors, bon, il y en avait une qui avait sauté, je la mets de côté. Alors, donc il y avait la racine, le feu, guide et le dos. Alors, la question qui a été posée aux fées et à ton guide, qui ressort d'ailleurs, donc qui nous valide le fait qu'il est là avec nous pour ton tirage et ton message, c'est d'abord l'ancrage. Ça revient beaucoup. C'est vraiment ce qui permet de revenir un petit peu sur terre et d'oublier un petit peu les peurs et les doutes. À partir du moment où on s'ancre, c'est-à-dire on incarne son corps, on oblige le mental à couper dans la projection, que ce soit passé ou futur, et à le faire revenir sur l'instant présent. Et à partir du moment où on revient sur l'instant présent, non seulement on s'ancre beaucoup plus, mais on arrête de ruminer les peurs, les doutes, tout ce qui en fait est né d'une projection, que ce soit du passé ou du futur. Là, ce que les guides veulent te dire, c'est que le seul moyen de reprendre possession de ton plein pouvoir divin, d'incarner ta divinité, donc en gros devenir co-créateur de ta vie, et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir à la naissance, c'est de prendre conscience, je répète, qu'on est tous créateurs de notre vie, on est co-créateurs, le monde est co-créateur du monde. Reprendre conscience qu'à son échelle, au niveau individuel, on a déjà la responsabilité de la co-création de notre vie, ça passe par l'incarnation. C'est obligatoire, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Reprendre conscience déjà de la responsabilité de la création de notre vie, c'est déjà prendre conscience de nos corps, de notre cellule, de nos besoins vitaux, de nos besoins fondamentaux, etc., etc. Donc reprendre le plein potentiel divin, c'est avant tout de s'incarner en tant qu'humain. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça peut paraître aberrant de dire reprendre le potentiel divin, c'est être dans la matière et s'incarner. Mais non, bien au contraire, c'est super important de comprendre ça. C'est que être un être spirituel total et accompli, c'est avant tout vivre son incarnation. Pourquoi on est venu sur Terre? C'est avant tout pour faire l'expérience de l'incarnation et de l'humanité. Ce n'est pas pour faire l'expérience des choses purement intellectuelles ou purement, alors spirituelles, je mets des guillemets parce que pour moi spirituel ça passe justement par là, mais spirituel dans le sens où certains diraient que méditer, que lire des bouquins, s'attarder sur des réflexions certes profonde, intense, mais qui ne fait pas que tu vis pleinement ta matérialité.
Donc, il faut un équilibre. Pour moi, justement, la définition d'être spirituel, c'est aussi prendre conscience qu'on est venu là avant tout pour expérimenter nos émotions et la vie matérielle. On est venu là pour expérimenter l'argent, on est venu là pour expérimenter les biens matériaux, la chaleur, le froid, la faim, le sexe, avoir des relations amicales, bien manger, etc., etc. Ça fait partie de la spiritualité. Comment on peut avoir une réflexion approfondie sur la position sociale, sur la position économique, sur la position humaine, sa place dans le monde, si on ne passe pas par l'incarnation, c'est impossible. On ne peut pas avoir une réflexion profonde et complète sans passer par l'incarnation. Et donc reprendre son potentiel divin, son potentiel de co-créateur, c'est passer par l'incarnation. C'est obligatoire, obligatoire. D'ailleurs, en étant clairaudiente et clairvoyante, je me rends compte de plus en plus que c'est en étant pleinement incarnée dans l'ici et maintenant que j'ai mes facultés psychiques qui sont beaucoup plus puissantes. C'est en étant focalisée sur ma main, quand je regarde ma main, en laissant mes pensées se diminuer, en laissant mon mental se diminuer, en ayant conscience de mon toucher, de la matière, de mon ancrage, que j'ai mes visions qui sont beaucoup plus puissantes. Donc l'incarnation est extrêmement importante et c'est vrai que l'on vit dans un monde qui nous détache de l'incarnation, mais elle nous détache comment ? En jouant sur les émotions, en jouant sur le besoin de connaître, de contrôler, donc sur les peurs, sur les doutes, etc. On se détache de nos matières et on se projette. Et en se projetant, nos énergies, elles vont plus sur le domaine cérébral, elles vont plus vers le haut et elles vont pas plus sur le hara, le centre même de notre vie, donc sur le sacré ou sur le racine. Donc c'est important de développer ça. Ça permet aussi de se sentir beaucoup plus en sécurité. Quand on est incarné dans la matière, dans l'ici et maintenant, et qu'on se rend compte que nos besoins vitaux, animaux sont comblés, on se sent en sécurité. Là, maintenant, à l'instant T, est-ce que je manque de nourriture? Est-ce que je manque de chaleur, de toit? Est-ce que je manque de sécurité physique? Et là déjà, on peut se rendre compte qu'en prenant conscience déjà que les besoins vitaux dont nos ancêtres étaient beaucoup plus confrontés que maintenant, eh ben ok, on se sent déjà un petit peu plus en sécurité. En développant le chakra racine, on développe aussi notre ancre au fait qu'on se sente beaucoup plus en sécurité. C'est beaucoup lié à l'élément feu. Alors l'élément feu, ça va être l'énergie yang, tout ce qui va être entreprendre, l'action, le côté un petit peu agressif, colérique, d'injustice aussi j'entends, de l'envie de passer à l'action, l'envie de tout faire péter, voilà ce que j'entends, l'envie, une colère bouillonnante comme ça qui monte. Les guides disent que c'est dommage parce que ce feu, le feu est très important, le feu fait partie de la création parce que c'est un purificateur. Donc pour partir sur de bonnes bases, il faut purifier. Donc il fait partie du processus de création. Le feu est important et il est beau, il est magnifique et bienveillant, mais quand il est utilisé à bon escient. Là, ce que les guides essayent de dire, de faire prendre conscience, c'est que tout ce feu, il peut être extraordinaire, il peut soulever des montagnes, il peut brûler aussi des forêts, il peut embraser les cœurs, il peut détruire la maison du voisin, comme il peut purifier pour repartir sur de basses scènes. Maintenant, la question que les guides veulent te poser, c'est qu'est-ce que tu veux en faire ? Tu as ce feu, tu as beaucoup de feu, ce que beaucoup de personnes n'ont pas, donc c'est un très beau cadeau, mais qu'est-ce que tu vas décider d'en faire ? Est-ce que tu vas décider d'en brûler des forêts ou est-ce que tu vas décider de l'utiliser pour embraser les cœurs, par exemple ? Ça, c'est une question que peut soulever les guides. Avoir beaucoup de feu, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, d'incompréhension, n'est pas quelque chose de mauvais en soi.
Hein, ça peut montrer que tu as été bafoué, ça peut montrer que tu as des valeurs profondes auxquelles tu tiens. Et ça, en soi, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de juste. Maintenant, qu'est-ce que tu vas décider d'en faire? Est-ce que tu vas décider de l'utiliser pour construire un monde meilleur ou est-ce que tu vas décider de l'utiliser pour détruire ce qu'il y a autour de toi? On peut faire deux choses différentes avec un même élément et c'est la question que veulent te soulever les guides. En tant que co-créateur, quel co-créateur tu veux devenir? Est-ce que tu veux devenir un co-créateur qui construit ou un co-créateur qui détruit? Alors après, il y a des personnes qui pourront dire, mais pour construire, il faut détruire. Est-ce que c'est valable pour tous les cas? Est-ce que dans certains cas, tu vas pas plus perdre ton temps et ton énergie à essayer de détruire quelque chose qui est bien plus grand que toi, alors que tu peux tout simplement construire en parallèle quelque chose? Est-ce que reprendre le pouvoir de sa vie, ce n'est pas tout simplement ignorer un pouvoir que tu ne reconnais plus? Ignorer un pouvoir qui a été donné, qu'on a autorisé, que tu as autorisé et que finalement, il ne serait pas plus juste pour toi, pour tes énergies, pour ton bien-être, de tout simplement retirer ce pouvoir que tu as accordé ou ce pouvoir que tu as autorisé pour construire en parallèle quelque chose qui te semble plus juste. Ça peut être une voie. Il n'y a pas de solution binaire, d'accord? Ça peut tout simplement être faire un abandon de plein pouvoir qu'on a octroyé ou de pleine confiance qu'on a octroyé. Et à ce moment-là, la question est, si tu retires ton attention d'un pouvoir ou d'une personne, est-ce que cette personne a toujours le pouvoir sur toi? Voilà un petit peu la question que veulent soulever les guides par rapport à ça. Hein? Ton guide, il est très présent. Il veut vraiment que tu le saches. Il a d'ailleurs, cette carte le valide bien. Il est bien là. Donc voilà, c'est reprendre le potentiel, son potentiel divin. C'est prendre conscience que tu peux tracer ton propre chemin. Au lieu d'aller là, ça semble... Je sais pas ce que t'en penses, mais ça semble pas top top. On voit des petits yeux un petit peu lumineux dans le noir. On sait pas trop ce qui nous attend. C'est un petit peu ça. Peut-être que tu marches sur un chemin, tu sais pas trop ce qui t'attend. La question est, tes jambes t'appartiennent. Tu es libre de marcher sur le chemin que tu souhaites. Donc tu peux continuer ce chemin. Tu peux couper par la forêt. Tu peux faire demi-tour. Tu peux retracer une autre route. Tu as le plein potentiel divin et créateur de ta vie. Tu marches là où tu as décidé de marcher. Maintenant, où est-ce que tu souhaites marcher? D'accord? Pour marcher en pleine conscience, ancre-toi. On est là, tu ne risques rien. Et tout ce feu, c'est une bénédiction, mais comment tu vas l'utiliser? D'ailleurs, t'as vu, c'est marrant. J'ai pas fait attention, mais j'ai parlé de forêt, mais t'as vu, ta carte, il y a une forêt. Est-ce que tu vas décider d'embraser la forêt sur laquelle tu as marché? Parce qu'elle ne te plaît pas, ou est-ce que tout simplement tu vas construire un chemin qui va t'éloigner de cette forêt? Et ce feu, tu peux en faire quoi? Tu peux t'en servir pour te réchauffer la nuit, pour faire à manger aux gens qui sont avec toi, pour éloigner les prédateurs, tu vois? Qu'est-ce que tu vas en faire de ce feu? C'est toi et toi seul qui as le pouvoir dessus, d'accord? C'est ce qu'il y a entre tes mains en fait, c'est ton calice, c'est tout ce feu. Tout ce feu qui est divin, qui peut faire vraiment des choses extraordinaires parce qu'il est puissant, je le sens puissant. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Il est là ton pouvoir divin. D'accord? Le dos, il vient nous parler ici d'alignement. Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu sens que ton chemin, il est aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais? On appelle ça l'alignement. Est-ce que là où je marche, ça correspond à mes valeurs, à mes envies et à ce que je dis? D'accord? Est-ce que ce que tu penses, est-ce que tu dis ce que tu penses et est-ce que tu fais ce que tu dis? Voilà cette carte. À partir du moment où tu auras trouvé ton alignement,
ton chemin, il va être clair et net. Tu auras repris ton potentiel divin. La seule chose qui peut empêcher d'être co-créateur, c'est justement ne pas savoir, être un petit peu ballotté entre la tête, les énergies, le corps, les actions, on ne sait pas trop. On pense ça, mais on fait ça. Pourquoi ? Pour faire plaisir, pour se dire que peut-être que ce qu'on pense, c'est pas juste, etc. Du coup, ce désalignement fait que peut-être que tu marches en pilotage automatique sur ce chemin qui te mène un petit peu nulle part, qui te mène vers quelque chose où tu as des doutes, tu ne sais pas où tu vas. Donc, s'aligner, c'est pouvoir dire « je sais maintenant où je vais aller, j'en suis sûre ». Et si tu penses à des valeurs profondes et que tu agis en fonction de tes valeurs profondes, alors tu iras sur un chemin qui te ressemble. Et là, on parle d'alignement. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de force. Mais tu as ce feu pour le faire. Ce que beaucoup n'ont pas, toi tu l'as. Donc à partir du moment où tu voudras prendre tout ton potentiel divin, toute ta coupe, tout ton graal, tout ton calice, non seulement tu retrouveras la fertilité, le retour de la vie, la santé, le cycle de la vie, mais tu remarcheras directement sur ton chemin. Donc c'est un très très beau message, hein. Ton chemin, et tu vois, j'ai mis cette carte-là de côté, ton chemin, ça sera quoi? Ça sera ce qui résonnera avec ton alignement? Je te laisse libre d'interpréter la carte, d'accord? Bon, et ben voilà pour ce groupe 1. Je trouve que déjà le message, il est beau, hein, donc on va s'arrêter là. Maintenant, le groupe 2, elle est belle cette carte. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on retrouve encore un calice. Hein. On retrouve un calice, donc les tirages sont bien validés, donc c'est parfait. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes chers fées, un message d'amour et de lumière pour ce groupe 2 par rapport à leur plein potentiel divin, leur plein potentiel créateur. Eh bien, tu sais quoi? J'avais envie d'en tirer 3 pour toi. Ah, bah tu vois, et... Alors ça, j'adore parce que... Tu vois, on retrouve, c'est la même carte, et on retrouve le Graal, tu vois. Mais ça, c'est les énergies un peu du moment. Hein. C'est pour ça, je pense que il n'y a pas de hasard. Tout est... Il n'y a pas de hasard parce que j'avais envie de faire ce tirage. J'en avais vraiment envie. Et quand les cartes se recoupent continuellement comme ça, il n'y a pas photo, c'était quelque chose qu'il fallait faire. D'accord. Donc ça, c'est les énergies du moment. C'est on est en eau trouble, le paysage il est sombre, tout paraît un petit peu lugubre en apparence, mais il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a notre plein potentiel divin entre les mains. Ça, on pourra jamais nous le piquer. La pleine possession de notre esprit, de notre corps et de nos énergies. Ça nous appartient de la naissance. Ça nous appartient, pourra jamais nous le piquer, pourra jamais nous le prendre. D'accord ? Après, la question est, est-ce que je souhaite donner ce qui m'appartient ? Est-ce que je souhaite donner mon esprit, mon corps et mes énergies à ce que je considère être plus compétent que moi ? Ou est-ce que je considère avoir le plein pouvoir dessus ? Ça aussi, c'est possible, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on a accepté. J'accepte de donner mon corps, mon esprit et mes énergies à ce que je considère être plus puissant que moi. Mais la question que soulèvent les guides et les fées, c'est est-ce qu'une autre personne est plus compétente pour obtenir, juger, et utiliser mon corps, mon esprit et mes énergies. Est-ce qu'une personne tierce peut être plus compétente et peut savoir mieux que toi comment utiliser, transformer, guérir ton esprit, ton corps et tes énergies? Je te laisse répondre à cette question. Est-ce qu'une personne sait exactement ce que tu penses
à cet instant précis? Est-ce qu'une autre personne que toi sait exactement ce que tu ressens à cet instant précis? Je ne pense pas. À partir de ce moment-là, est-ce que tu peux m'affirmer ici et maintenant qu'une autre personne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi à cet instant précis? Je ne pense pas non plus. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'une autre personne est plus légitime que toi pour choisir ta vie, ton mode de vie, ta façon de penser et comment gérer toutes tes cellules et comment tu digères mieux tel élément, comment tu t'auto-guéris mieux, etc., etc., etc. Comment tu cicatrises, comment tu réagis à telle piqûre d'insectes, par exemple, si tu es allergique à tel ou tel. Est-ce qu'il y a une autre personne qui sait mieux que toi comment ton corps réagit à l'environnement extérieur? Je ne pense pas. Ça, on le sait au plus profond de nous, c'est ancré, c'est encodé dans nos cellules. Nos cellules ont une mémoire qui nous appartient à nous et nous seuls. Nous sommes tous différents sur le plan génétique, nous sommes tous différents dans nos bagages émotionnels. Or, ton plein potentiel divin, il n'y a que toi qui peux l'avoir. Tu as le droit de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre, mais est-ce que cette personne est plus compétente que toi ? Donc voilà, je te laisse avec cette question, mais c'est vraiment une question qui ressort beaucoup finalement. Donc, ton plein potentiel divin, il n'y a que toi qui es compétent. On est d'accord ? Il n'y a que toi là qui sais. Si on faisait un petit quiz, moi j'ai aucune idée de précisément ce que tu ressens là à l'instant T où tu me regardes faire cette vidéo. Est-ce que même ton mari, ta femme ou tes enfants le savent ? Ce sont des personnes qui vivent continuellement dans la même pièce que toi, et est-ce qu'elles le savent? Je te laisse répondre à cette question. Est-ce que tes parents le savent? Est-ce que tes collègues le savent? À partir de ce moment-là, est-ce que des personnes que tu croises juste dans la rue ou qui ne t'ont jamais croisé de leur vie le savent? D'accord? C'est une question fondamentale. Une question fondamentale. Et là, du coup, on t'invite à rejoindre le royaume des fées. On t'invite à te connecter à ce qu'il y a de plus subtil, à ce qu'il y a justement de plus divin. Tu vois, cette fée, elle a une clé et t'es libre d'aller la prendre ou pas, elle te tend la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes facultés psychiques, parapsychiques, clairaudience, clairvoyance, ressenti énergétique, t'attendent. Elles n'attendent que ça, que tu ouvres la porte et que tu les rejoignes. En ouvrant cette porte, non seulement tu vas prendre conscience que tu as ton potentiel divin, mais en plus tu vas savoir l'utiliser pleinement. Donc là, cette carte, elle t'invite vraiment à franchir la porte, elle t'invite vraiment à boire dans le Graal, carrément. Les fées t'invitent pour ça à partir à l'aventure, faire de la découverte, voyager. Alors même si tu peux pas voyager à l'étranger ou pas, un voyage n'est pas forcément dans un pays à 10 000 bornes d'ici, ça peut être dans la même région ou juste changer de région, aller dans un endroit que tu n'as jamais vu de ta vie qui est à côté de chez toi, ça peut être découvrir des boutiques que tu n'as jamais découvert de ta vie, ça peut être aussi le voyage intérieur, faire des méditations guidées. Si tu fais une méditation guidée pour ouvrir cette porte et rejoindre cette fée, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il y a une belle aventure derrière. Rencontrer son destin, tu vois? Rencontrer son destin, rencontrer les fées. Donc là, il y a clairement une invitation à développer tes facultés psychiques et parapsychiques. Et ça peut être une expérience extraordinaire. Ça pourrait te permettre, tu vois, la carte là, elle est plutôt sombre. Et là, on part sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger. La grenouille aussi, en message chamanique, la grenouille c'est changer de peau, c'est reprendre le plein pouvoir de ses émotions, de sa sensibilité, c'est avoir fait une belle transformation, une transformation riche et intérieure. Donc une fois que tu auras passé la porte des fées, que tu auras un petit peu découvert, parti à l'aventure ou de ce potentiel-là qui est en toi, tu auras fait peau neuve, peut-être que tu auras un petit peu plus le contrôle sur tes émotions. Alors, on va voir un petit peu plus de détails. Comment on va pouvoir reprendre conscience de tout ça?
Ah bah, de toute façon, là, t'as vu les cartes qui sont sautées. C'est clairement du spirituel, du très subtil, là, du monde du subtil. Allez. Ton intuition, il y a beaucoup de personnes qui interprètent l'intuition différemment, d'accord? Il y a des personnes qui disent que leur intuition, elle est au-dessus de la tête, ou alors elle est au chakra du cœur. Il y en a qui vont carrément parler du ventre ou du plexus solaire. Donc ça, je ne serais pas en mesure de dire exactement où est l'intuition. Peut-être que c'est propre à chacun. Moi, je sais que mon intuition, généralement, elle est dans mon chakra du cœur. Quand j'ai le chakra du cœur qui se ferme et qui s'ouvre, ça me donne des indications si je dois y aller ou je ne dois pas y aller. Après, ma clairaudience, elle va être plutôt soit au-dessus de la tête, au niveau du chakra coronal, soit au niveau des canaux que j'ai au niveau des oreilles. Donc... voilà, moi en tout cas, pour moi, mes indications, elles sonnent comme ça. Pour les autres, je sais pas. Mais quand la poitrine est sortie, ça m'a donné l'impression de l'intuition. Comment se déroule ta poitrine? Est-ce que tu te sens un petit peu nouée à cet endroit-là? Est-ce que tu te sens oppressée? Est-ce que tu as des tendances à avoir un rythme cardiaque qui s'accélère, ou alors avoir des crises un petit peu de spasmophilie, des choses un petit peu, tu vois, au niveau de la respiration qui vont bloquer? Est-ce que tu es sur un chemin qui te permet de te sentir léger au niveau de ta poitrine ou pas? C'est la question que veut te poser mon oracle ou alors tes guides. C'est voilà, est-ce que c'est léger pour toi en ce moment? Est-ce que ton corps est léger pour toi en ce moment? Est-ce que tu te sens connecté à ton corps? Est-ce que tu te sens pleinement recentré avec lui? Donc là, on va encore parler d'incarnation, hein. Mais l'incarnation, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. On te dit aussi que forcément, ça a du sens. Tu as vu, il y a l'univers et la prière qui est ressortie, alors que dans les cartes des fées, on t'invitait à ouvrir la porte, on t'invitait à partir en voyage, à un petit peu être à la découverte, à l'exploration. Là, du coup, on te demande peut-être de continuer à t'ouvrir à cet univers par la prière. Peut-être que tu fais déjà des prières, peut-être que tu fais déjà des offrandes, mais en tout cas, on sent que tu as déjà ton potentiel divin qui est quand même là, qui est quand même bien présent, qui est quand même... Il y a une conscience quand même qui est installée. Il y a une conscience et il y a une présence. Même si peut-être qu'elle l'est énormément sur le plan subtil, énergétique, mais peut-être moins dans le corps. Tu vois, c'est comme si un petit peu, il y aurait peut-être une scission encore. Est-ce que pour toi, incarner son plein potentiel divin, c'est que prier, que être dans les énergies, que être dans le subtil? Et peut-être que tu as tendance un petit peu à oublier ton corps. Là, on te rappelle que c'est les deux. Je l'ai dit un petit peu pour le groupe 1 aussi, mais... incarner son plein pouvoir divin, c'est incarner sa présence terrestre, d'accord? C'est incarner et son corps et ses énergies, et tac, on les rassemble. Et là, on a le Graal. On trace sa route. C'est tout ce que j'entends comme message. On me dit juste aussi... Aie confiance en l'avenir, on me dit. Finalement, on en a beaucoup parlé. J'ai passé ma maîtrise de Reiki il y a une semaine de ça. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la très grande et magnifique chance d'être dans une très belle région, entourée de très belles personnes, à pratiquer énormément du Reiki, à faire des initiations où notre taux vibratoire, il était... j'ai jamais eu un taux vibratoire aussi haut. On était tellement haut qu'on était tous euphoriques, on a eu des fous rires de malades, j'avais jamais autant ri de ma vie, c'était génial quoi, c'était extraordinaire. Et j'ai eu cette chance de vivre ça au moment où il y a eu certaines annonces qui ont été très mal vécues par certaines personnes.
Et du coup, je tenais vraiment à dire que le reprendre conscience aussi de son potentiel divin, c'est aussi se focaliser non pas seulement sur les événements extérieurs, mais aussi et avant tout peut-être sur ses énergies. À partir du moment où on monte ses énergies, où on donne plus son attention sur des belles énergies, qu'on a confiance en l'avenir, qu'on a confiance en l'humain, qu'on a confiance à tout ce potentiel qu'on a tous en nous et à toutes ces grandes choses qu'on peut faire, on arrête de nourrir un égrégore qui est négatif. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un an qu'on parle d'une certaine situation qui est à tendance négative, on ne va pas se le cacher. Je ne donnerai pas d'avis personnel là-dessus parce que chacun est libre d'avoir le sien et je respecte tous les avis possibles et inimaginables. Mais en nourrissant la peur, le doute, l'anxiété, l'incertitude pendant un an, qu'est-ce qu'on fait sur le plan énergétique? On l'apprend en énergie, mais que ce soit dans n'importe quelle méthode, on nourrit un égrégore. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore est une forme conscience d'énergie qui après créer dans l'astral et plus tard créer dans la matière des événements sur lesquels des milliers, des centaines ou dizaines de personnes ont focalisé une attention particulière. C'est ça un égrégore. Si par exemple on prend une salle où il y a 10 personnes qui se disent on va méditer sur l'amour et la bienveillance dans le monde. Ces 10 personnes vont focaliser toute leur intention et toutes leurs énergies sur une intention précise qui est l'amour et la bienveillance dans le monde. Okay ? Elles vont créer une forme d'énergie consciente qui s'appelle un égrégore qui du coup pour le coup sera plutôt positif, la bienveillance, l'énergie, tout ça, qui va après agir sur le plan subtil et après s'ancrer dans la matière. Il existe des égrégores positifs et il existe des égrégores négatifs. Imaginez-vous, ça fait un an que des personnes focalisent une intention sur le monde va mal, on va tous mourir, ou voilà. Je donne un petit peu un exemple. Imaginez ce qu'on est en train de créer dans l'astral. C'est énorme. C'est énorme et ça fait un an au plan mondial. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je pense qu'il est temps de se focaliser sur des pensées positives. Même si c'est dur, même si c'est peut-être dur à admettre. Mais il faut couper là l'égrégore, d'accord? Il faut couper là, ça devient important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on en a énormément parlé en week-end, le week-end qu'on a fait. On a eu un été, mais... incroyable, je sais pas dans quelle région vous êtes vous en ce moment, des orages avec des énergies que j'avais encore jamais vues. Bon, je suis pas vieille, hein. Mais j'avais jamais vu ça, des énergies vraiment très puissantes, vraiment très étranges, un temps d'été très particulier, un printemps vraiment très particulier, et je pense que tout ça n'est pas anodin. Je pense que tout ça n'est pas anodin. On a créé obligatoirement, puisqu'on en parle dans toutes les techniques de soins énergétiques, un égrégore très puissant sur le plan mondial de pessimisme, de non-amour, parce que ce n'était pas de l'amour, voilà, de peur et de doute. Je dis pas que c'est pas normal, attention, c'est normal, ça a été créé, mais ça a été créé. Et là, je pense qu'il est temps de repenser voilà au positif, que d'avoir confiance. La lumière se fraye toujours un chemin. C'est le principe même de la lumière. Dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a une fissure et une faille, la lumière s'engouffre dedans. Il n'y a pas d'ombre sans la lumière, c'est impossible. L'ombre n'existe pas sans la lumière. Et dans les textes, ils le disent, la lumière gagne. La lumière gagnera toujours, parce que sans la lumière, l'ombre n'existe pas. Donc, ayez confiance en l'avenir. Rien n'est impermanent, tout change. Tout change. Donc, créons un égrégore magnifique. Créons un égrégore positif qui nous tire tous vers le haut. Pensons ici et maintenant. Oui, on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, dans 15 ans. Mais on n'y est pas. Et c'est pas en étant ici et maintenant, petit à petit, jour après jour, à broyer du noir, que dans 10 ou 15 ans, ça ira mieux. D'accord? Donc, commençons à être co-créateurs. Commençons à activer notre potentiel divin et à créer des beaux égrégores, à créer quelque chose qu'on va laisser et qu'on sera fier de laisser à nos enfants. Et ça commence maintenant.
D'accord. C'est un petit peu le message général que j'ai ressenti à dire ici, mais je pense que ça va être le message sur les trois groupes. Mais là, voilà, c'est reprendre conscience de ça. Et show must go on. Ok? Allez, c'est tout pour le groupe 2. Mais c'est que des beaux messages, c'est pour ça que j'adore faire ça, c'est que des beaux messages. Alors le groupe 3, elle est très colorée cette carte. Hein. Elle est très colorée. Il n'y a pas de coupe ici. Peut-être un cendrier. Non, je sais pas. Bah non, enfin, voyons, on va pas parler de... Là, ça part en cacahuète. Alors, les fées, mes chères fées. Chères fées d'amour et de lumière, s'il vous plaît, délivrez-nous un message concernant le plein potentiel divin de ce troisième groupe, s'il vous plaît, mes chères fées. Un message d'amour et de lumière concernant un beau message sur le plein potentiel divin. Hop, j'en sens en tirer 3. Je suis désolée, le groupe 1. Peut-être que vous avez choisi plusieurs cartes. À ce moment-là, vous aurez plusieurs messages. Je suis désolée, le groupe 1, il m'est venu l'idée d'en tirer que une. Et là, il m'en vient l'idée d'en tirer 3. Ouh, elle est pas mal, cette carte. Ah, bon. Waouh. Ça, j'adore cette carte. Regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est magnifique. La magie de cristal, création, aube, début. Il y a des magnifiques enfants cristal qui regardent cette vidéo. Cristal, arc-en-ciel et... je sais plus. Il y en a 3. Là, je suis pas une bonne élève pour les termes spirituels. Ça m'a jamais attiré d'apprendre ces termes par cœur. Je me fie énormément à mes ressentis et mes intuitions. Donc, j'ai pas toujours forcément les mots techniques. Ouais, il y a des magnifiques enfants très 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 spirituels, très élevés, très développés sur le plan énergétique qui regardent ce magnifique groupe 3. Et on sent que vous, peut-être, ça vous dépasse un peu plus, quoi. Ça vous... Ça vous, voilà, vous, sur cette fée, on voit, elle a toujours le regard un petit peu levé vers le haut, vers le divin. Elle est entourée de cristal, elle a un voile ou des ailes, je sais pas ce que c'est, elle est entourée de magie, elle danse, quoi, hein, regarde les pieds, elle danse, je sais pas si tu vas voir, s'il va avoir le point et tout, mais voilà, elle est dans sa bulle. Je pense que là, clairement, On a compris que à partir du moment où on est ancré, on est enraciné et on a confiance en son plein potentiel divin, on est à l'abri, on est en sécurité, on est tout simplement. On est. Donc à partir du moment où on est, on vit. N'est-ce pas là le plus essentiel? On vit. Donc ça, c'est un magnifique message pour le groupe 3. Je pense que votre plein potentiel divin, il est déjà entre vos mains, comme tout le monde. Mais non seulement vous l'avez vu, vous le prenez bien en main, mais en plus vous buvez dedans. C'est super, le monde a besoin de vous, le monde a besoin de ça. C'est génial. Il y a peut-être des personnes ici qui pratiquent déjà les soins énergétiques, les guidances ou les reliances, peut-être même le chamanisme. Vous êtes nombreux à regarder cette carte-là, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a au moins un domaine qui parlera à quelqu'un. Mais là, voilà, on sent que il y a une mise en route, il y a une conscience qui a été faite, il y a un pouvoir créateur qui est mis en place et il y a une activation vers un monde meilleur. D'ailleurs, on le voit, on regarde, je regarde les autres cartes, mais c'est ça, regarde. Divination, recherche de solutions. On sent qu'on est déjà dans la réflexion pour trouver quelque chose, pour créer quelque chose. Tu vois, là, la fée, dans sa main, elle a une clé. Ça veut dire que dans le groupe d'avant, il y avait une fée qui avait une clé en pendentif, qui tendait la main et qui disait « suivez-moi ». Donc, on invitait la personne à rentrer au royaume des fées, à ouvrir la porte pour explorer le monde parapsychique, le monde subtil et astral. Mais là, dans ce groupe-là, la clé, elle est clairement prise. La porte a été ouverte et on est pleinement dans la recherche, dans l'exploration, dans l'optimisme et la recherche de solutions. Créer un monde meilleur.
Elles sont super complémentaires, ces cartes, hein. La pêcheuse d'énigmes. On cherche des solutions à un problème. Ça, c'est beau. À partir du moment où on prend conscience qu'on cherche des solutions à un problème, on incarne clairement sa divinité. Parce que ça veut dire qu'on prend conscience qu'on peut changer les choses. Quelle est la meilleure façon de changer les choses? C'est trouver des solutions au problème. Ça peut te paraître bateau ce que je dis, mais figure-toi qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui se disent c'est comme ça, c'est la vie, c'est une fatalité, on ne changera pas. Si ça arrivait, c'est que ça devait arriver, c'est comme ça, je vais subir et je le mérite aussi. Bien pire encore, c'est dire je le mérite. Donc on ne cherche pas des solutions. À partir du moment du coup où on cherche des solutions, c'est qu'on prend conscience qu'on peut changer la situation. Quand on a un problème et qu'on cherche des solutions, c'est qu'on prend conscience, qu'on crée un nouveau chemin. On a pleinement son potentiel divin. Là, clairement, on incarne sa divinité. On est le divin, d'accord? On crée. C'est magnifique, ça. L'invitation d'Acorn. Alors tu vois, c'est marrant parce que contact, échange, lien, c'est une carte qui invite à la sensualité, au tactile, au sens divin qui est le toucher. Les fées sont très sensibles au toucher. Elles sont très sensibles à l'un de nos sens les plus fondamentaux pour vivre, pour incarner notre matière, qui est le toucher. La nature n'aime pas l'inutile. Alors ça, personne ne pourra contredire ça. La nature déteste tout ce qui est inutile. On le voit dans les processus d'évolution, tout ce qui ne sert plus est voué à l'extinction ou à la disparition. Ça, c'est clair et net. Ce qu'il n'y a plus lieu d'être disparaît ou s'atrophie. On le voit sur l'évolution des espèces animales. D'accord, les petites nageoires atrophiées parce que ça fait un moment que le petit reptile va pas dans l'eau. Vous voyez le dernier petit orteil qu'on a là qui a tendance à partir en cacahuète. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et ben c'est parce que nos appuis de marche changent. Et du coup, pour certains dans la génétique, le dernier petit doigt, il est déjà en train de disparaître. Il est déjà en train de on va dire de s'atrophier. Il n'est pas beau comme mot, mais bon, c'est ça. Il tend à disparaître. Alors, pas pour tout le monde. Ça dépend de nos appuis, ça dépend de notre façon de nous déplacer ou de marcher. Mais dans les génétiques et les lignées, il y a certaines personnes qui ont déjà le petit doigt qui tend à disparaître. La nature n'aime pas l'inutile. Donc, si on a le toucher, si on a la vue, si on a l'odorat, l'ouïe, le goût, c'est que c'est utile. Qu'est-ce que tu deviendrais sans tout ça? Qu'est-ce qu'un être humain deviendrait sans ses sens? Pas grand-chose, hein? Sans sa vue, on peut encore évoluer. Sans l'ouïe, on peut encore. Sans le toucher, c'est pénible. Il y en a, ils le sentent, mais c'est tout à fait possible. Après, on peut se blesser. Si tu n'as pas la sensibilité du toucher, tu peux te blesser sans t'en rendre compte. Tu peux t'ouvrir sans t'en rendre compte, etc., etc. Tu peux te mettre en danger. Tu ne sens pas quand peut-être tes doigts sont en tension ou voilà, parce que qui implique ne plus avoir de toucher implique ne plus avoir probablement de système nerveux. Hein, c'est une proposition parmi tant d'autres. Hein, je ne connais pas tous ces trucs subtils-là. Mais notre toucher, on le doit à nos nerfs. Hein. D'ailleurs, en Kung Fu, on apprend à se tuer les nerfs. On tape perpétuellement les tibias et les avant-bras sur des mannequins en bois. C'est avant tout pour se tuer les nerfs. En se tuant les nerfs sur la peau, on devient beaucoup moins sensible à la douleur pendant le combat. Tu me diras, ça peut être sympa, mais c'est calculé, c'est que les avant-bras et les tibias, et puis bon, faut aimer se tuer les nerfs. Hein. Mais si on enlevait tous les nerfs de notre corps, je ne sais pas si on aura encore le goût de vivre. Honnêtement, c'est une question à se poser, mais je pense que la joie de vivre serait très compliquée à avoir. Sentir le contact de l'eau, sentir le contact de l'air, sentir le contact de la terre,
sentir quelqu'un qui nous gratte, qui nous masse, qui nous chatouille, qui nous caresse. Imagine une seule seconde vivre sans tout ça. Imagine. Dans quel état serait ton potentiel divin? Et là, cette carte, elle nous invite à prendre conscience de l'importance du contact, de l'échange et des liens. Qu'est-ce qui nous différencie des autres espèces animales? Qu'est-ce qui nous différencie d'une machine, d'un algorithme ou d'un robot? L'échange, le lien, l'émotionnel. L'émotionnel, je pense que tous les êtres vivants en ont, mais après, ce serait compliqué de dire dans quelle mesure c'est différent ou pas. On ne peut pas comparer deux mondes différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont juste différents. Mais qu'est-ce qui fait que l'on a envie que le monde aille mieux? Qu'est-ce qui fait que l'on a envie que les choses changent? Quel est notre moteur à vivre, tout simplement? C'est quoi ton moteur pour vivre? Même si tu me dis l'argent, la voiture, les enfants, gratte plus, va plus en profondeur. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de vivre? C'est une belle question que nous posent les fées ici. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Et même si tu vas dire mon métier, mes collègues et tout, creuse plus. Il y a une base commune à tout ça. Encore plus loin, va encore plus loin, va encore plus loin. Remonte à la source de ce qui te motive à te lever le matin. Donc voilà, c'est un très beau message d'effet pour ce groupe 3. Alors maintenant, j'ai presque envie de te dire, il y aura peut-être pas de moyen de le développer plus que ça, ce potentiel divin. Après, peut-être qu'il y a toujours des choses à travailler, mais bon, des fois, pas travailler, ça fait du bien aussi, hein. Oh bah voilà, bah tu vois, bah de toute façon, ça se sent, tu vois, que toi dans ce groupe 3, tu l'as ton plein potentiel divin, parce qu'il n'y a pas tant de charges énergétiques à travailler. Il y en a toujours, hein, d'accord, une personne propre à 100%, ça n'existe pas, même sur le plan physique. Même une maison, t'auras toujours, même regarde, même les paquets, les gros pots là d'antibactériens, c'est tu 99,99999% des virus. Donc il reste toujours 0,000, d'accord? Le 100% n'existe pas dans tous les domaines. Donc même ton flacon de trucs antibactériens machin, tu pas tout, on peut pas tout aseptiser, on peut pas tout quand tu prends ta douche, t'es pas à 100% propre non plus. Donc mais ça fait partie de la vie, hein. Ça fait partie de la vie, c'est pas mal en soi, hein. Ça fait partie, on en a besoin. Alors, mission de vie, mémoire karmique, mentale, eh ben écoute, moi ce que j'entends pour toi, c'est que tu es sur ta mission, ou en tout cas tu es en voie, tu es sur la voie. La seule chose qui pourrait peut-être t'aider en ce moment à prendre vraiment pleinement conscience de ton potentiel, ça serait peut-être de travailler tes mémoires karmiques. J'ai entendu le syndrome de l'imposteur, j'ai entendu la légitimité. Peut-être que ça encore, ça t'empêche d'être pleinement ta part divine. Pourquoi ça peut empêcher? Si jamais un jour, on te fait faire une méditation guidée. D'ailleurs, on a eu une magnifique méditation guidée avec Nita. Elle était mon maître Reiki pour ma maîtrise. Où justement, on devait explorer qui était notre guide Reiki. Donc, il y a toute une rencontre, etc. Je te passe les détails. Mais si jamais, là, maintenant, je te faisais faire une méditation guidée pour découvrir, pour voir et découvrir à quoi ressemble ton guide ou ta part divine. Si jamais, d'accord, c'est pour que tu vois où je vais en venir. Si jamais tu voyais ton guide ou ton âme ou ta part divine apparaître en Jésus,
en mari ou en une très grande et magnifique divinité, je sais pas, Inca ou un ange comme Métatron ou quoi, est-ce que tu serais capable d'assumer pleinement et d'accepter le fait que tu sois cette énergie-là? Est-ce que tu en serais capable? Et sinon, pourquoi? Pourquoi? Si jamais on te donnait l'occasion et l'opportunité de voir à quoi ressemblait réellement ton âme et que tu voyais quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, d'aussi brillant que le soleil, même plus brillant que le soleil, avec des cristaux, avec une aura extraordinaire, qu'on t'aurait montré que dans ta vie intérieure, tu as accompli des belles et grandes choses, est-ce que tu l'accepterais? Si on te demandait de nous partager après ton expérience et ce que tu as vu, est-ce que tu accepterais de le partager aux autres? Et si la réponse est non, parce que c'est pas possible, je ne suis pas comme ça, je suis pas aussi grand que ça, etc. Moi j'ai envie de te dire syndrome de l'imposteur. C'est ce que veulent me dire tes guides, syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a une limite? Je crois que je l'avais dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a une limite à briller? Est-ce qu'il y a une limite à incarner son pouvoir divin? Est-ce qu'il y a une limite à être bienveillant? Est-ce qu'il y a une limite, une seule limite, à illuminer le monde? À illuminer le monde. Est-ce qu'il y a une limite? Je ne pense pas. Il n'y en a pas. Donc là, ce que veulent te dire les guides, c'est que peut-être que dans tes mémoires karmiques ou dans un programme quelconque qu'il y a eu dans ton enfance ou dans ta lignée, tu n'acceptes peut-être pas complètement et pleinement ta pleine lumière. Ton mental t'en empêcherait peut-être. Il te ramènerait un petit peu en bas, dire « Eh oh, tu nous fais quoi, Michel ?» Tu nous fais quoi Tu nous fais quoi la Julie là? Non, on n'est pas l'ego de Jésus, on n'est pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Est-ce que ce serait de l'ego spirituel? Est-ce que ce serait de l'ego de dire que je suis une âme magnifique et lumineuse? Je ne pense pas. Est-ce que les missionnaires bouddhistes avaient de l'ego à répandre les enseignements du Bouddha? Est-ce que le soleil a de l'ego en brillant dehors et en apportant le beau temps? Est-ce que est-ce qu'un coucher de soleil a de l'ego en te montrant sa beauté? Est-ce qu'une fleur est extrêmement égotique en sentant super bon et en étant magnifique sur des kilomètres à la ronde? Est-ce qu'il y a de l'ego en laissant apparaître sa nature? Je ne pense pas. Si ton être véritable est d'être extrêmement lumineux, extrêmement bienveillant, créateur et puissant, alors sois toi. Il n'y a aucun ego là-dedans. Tu es ce que tu es et tu as le plein mérite de le montrer au monde. Peut-être que c'est même ta mission de montrer au monde ta vraie nature, de montrer au monde toute ta lumière. Est-ce que ce n'est pas ce que le monde a besoin? On parlait, je crois que c'était pour le groupe 2, on parlait d'égrégores. L'égrégore qui aurait pu être créé là pendant un an et demi au niveau mondial. Donc peut-être que ton rôle c'est de créer autre chose. Et ça serait dommage que l'idée de penser que c'est de l'ego t'empêche d'apporter un monde meilleur finalement, non? Ça serait dommage. Ce que disait Arnaud Rioux, que j'adore et que si tu connais pas, je te conseille très fortement d'aller sur sa chaîne YouTube. Il en parle justement sur l'ego spirituel, je crois, de mémoire. Donc je te conseille d'aller la voir parce que j'adore Arnaud. Il disait,
Et j'adore cet exemple parce que c'est le plus bel exemple qu'on pouvait trouver. Est-ce que le paon a de l'ego à faire sa roue? Est-ce que le paon a de l'ego à être juste magnifique? Non, c'est sa vraie nature, c'est sa nature est d'être magnifique. Il est né comme ça, il est né, il est programmé pour séduire la femelle, pour faire la roue, pour resplendir, pour avoir une parade exceptionnelle. Ça serait dommage que le paon ait suffisamment de mental pour s'empêcher à faire la roue de peur d'avoir de l'ego. Ça serait trop bête. On aurait tous les paons du monde qui seraient proscrits dans un coin, qui oseraient plus bouger une seule plume, parce que si par malheur il bougeait une de ses magnifiques plumes colorées au soleil et que ça faisait un reflet, on l'accuserait d'avoir de l'ego. Mais non, c'est sa nature. Et quel plaisir de voir un paon faire la roue. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir un, mais quel plaisir, mais quel cadeau. Pourquoi tu refuserais ce cadeau au monde? Pourquoi? Quel dommage, mais quel dommage. On le voulait ce cadeau. Tu nous prives de ce beau cadeau. Quel dommage. D'accord? Tu vois où je veux en venir? D'accord? Tu vois où je veux en venir? Alors laisse ta lumière, quoi, laisse ta lumière éclore. En plus, on l'a vu, tu as ton plein potentiel divin. Tu es en pleine recherche de solutions, tu es en pleine création, tu chemines sur ton chemin de vie et tout. La seule chose qu'on te dit, c'est « Ah, oh, c'est dommage, tu peux encore faire plus que ça !» Tu peux en faire plus, et en plus, c'est pile le moment où tout le monde en a besoin. On a tous envie de voir le paon qui fait la roue, là hein. Je pense que quand je vois le nombre de messages de personnes qui ont peur, qui sont dans le doute, dans l'incertitude pour leur avenir, pour leurs enfants, etc., je pense que ça ferait du bien de voir un paon qui fait la roue. Hein. Donc voilà, je te laisse avec ça. Bah écoutez, c'est des super messages. Je suis super contente d'avoir fait cette guidance pour changer. Elle est parfaite. Vous êtes parfait. Tu es parfait. Je te remercie du fond du cœur pour me faire confiance pour ces guidances. Ça reste des guidances, bien entendu, collectives. Peut-être que ça parle pas à tout le monde. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Tu prends que ce qui te fait vibrer, que ce qui te parle. Et le reste, tu l'oublies ici et maintenant. Et si jamais tu veux avoir des précisions, des détails, il est tout à fait possible d'avoir des guidances personnalisées. Je te mettrai le lien dans la description. N'hésite pas à t'abonner et à liker ma vidéo pour soutenir ce que je fais, pour m'aider à me faire connaître et aider encore le plus de personnes possible, autant que je puisse le faire dans l'amour, la bienveillance et de belles énergies. Je te fais des gros bisous, ou pas, si t'as pas envie de bisous, bah c'est ton droit. Je te dis à tout bientôt, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao!